Allez, on continue. Cette fois, on arrive dans une salle immense. Comme tout à l'heure, il faut monter. Alors, on va éliminer les ennemis. Sinon, ça va pas le faire. Là, il y en a en pagaille. C'est toujours les mêmes. Ils sont bien chiants. Ce qui est pratique, c'est que là on peut se soigner. Ça va plutôt vite. Alors, où est-ce qu'il y en a d'autres? Ici, je crois qu'on les voit pas, faut monter. Ouais, c'est pas évident de les buter ceux-là. Il mange des balles. Voilà. On continue de monter. Ouh là là là, faut faire gaffe ici. En plus, il y a un ennemi là. Je sais pas où il est, j'entends. Voilà, on va descendre. D'abord, je vais les buter. Pas d'autres, je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait. Ah si, là il y en a un. Ah, il y en a encore un. Ah voilà, j'ai plus de munitions. Allez hop. Toute logique, on arrive au boss juste après ça. Le dernier, je suis le. Ah bah non, c'est pas pour tout de suite. Juste avant, il y a une phase de plateforme. Je vais sauvegarder ici parce que là, je sens que j'ai des chances de me planter comme d'hab. Bon, allez là. Je perds de la vie, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, normalement, il y a une technique pour le buter rapidement. Parce que, de toute façon, là, le simple but, c'est de le plomber de balles. Donc. Maintenant, on va éliminer ceci. Tout, il y en a 3. Parce que ça lui donne de l'énergie en fait. Donc ça sert à rien de le taper du moment qu'il y a ça. Allumé par un de ses sbires. Là, faut que j'aille de l'autre côté pour atteindre celui-là. Voilà, retourner là. Et maintenant, je vais le canarder.
façon, vu que c'est le boss, je peux utiliser toutes nos munitions, vu qu'il n'y a plus rien après. Donc, je vais pas me gêner. Faire gaffe parce que c'est les missiles bleus là, ils arrachent bien. Alors que le vert nous envoie dans une autre salle. Là par contre, il me semble qu'il va bientôt crever. Je crois même qu'il faut monter, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va essayer tout du moins. Là, ça me propulse pas assez haut. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Alors, vous voyez, il est pas si compliqué que ça. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos et que ça vous a pas dérangé mes commentaires audio, parce que j'avoue que bon, c'est le premier guide que je commande, donc je savais pas trop ce que ça allait donner. Je sais toujours pas ce que ça donne d'ailleurs, parce que j'ai pas encore upgradé à l'heure actuelle, donc voilà. Mais bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Le monde frontière Xen est pour l'instant sous notre contrôle, grâce à vous. Vous venez d'y accomplir un superbe travail. Je suis réellement impressionné. C'est pourquoi je suis ici, Monsieur Freeman. Je vous ai recommandé à mes employeurs et ils m'ont autorisé à vous proposer un travail. Ils pensent comme moi que vous n'avez pas encore épuisé votre potentiel. Vous êtes un homme intelligent, Freeman. Je pense que vous n'aurez pas de mal à vous décider rapidement. Si ma proposition vous intéresse, il vous suffit de franchir à nouveau le portail. Sinon, eh bien, je vous offre la possibilité d'une dernière bataille que vous n'avez aucune chance de remporter. Plutôt dommage pour un homme de votre qualité. Il est temps de choisir. Vous avez fait le bon choix, Monsieur Freeman. Nous nous reverrons bientôt. Thank you.